Mbote bande ko balandi ya rumeur de Kinshasa partout dans le monde. En tout cas, ça la biso plaisir ko yeba ke boza kebele. Ko na biso na ndela basango ya Congo. En tout cas, awa toyina siège ya parti Congo en avant o ezali bon ya mwana mboka. Meda kon kolongo le vraiment on sa la déclaration politique moko yango toye awa toyo kango elongo na bino sans plus tarder to kota déjà na kati poto landa. Point de presse ya mwana mboka Meda kon kolongo. Toye le lokope sa position na biso par rapport ya loi Otoyoki ya Minaku na Sakata. Bandeko oyo to bengi bango bazana kabla ya bandoki. Pamba te mubeko na bango yaliko viole oto bengi independence ya magistrature ezali garanti par l'article 150, même l'article 220 ya constitution ezaliko garantir independence ya justice. Pe lobi boye bakoki ko réviser mobe côté na ta ya état dirigeance na moment tozalelo tozali na état dirigeance sanitaire bango moko ba député ba voter yango objectif ya mubeko eza nini ya yambo lokola bandeko ya FCC bakwe kanyaka mingi bazolinga ke justice akoma na libenga na bango bandeko babosa na teke ministre ya justice Asia Peki Sakabakanga, mandataire ya OGFM, comme on a eu, patient Saïba. Congo en avant et boyi. Et lobi moubeko wana et kolekate, ali moubeko ya kindoki. To bengi peuple congolais, ba membre na biso nyonso, to kotambola, na ko respecte constitution, to pesi merci na ba membre na biso nyonso, to se mobiliser, peto lobi li kambango. Ezali ya kam politique mo côté ezaba ba congolais se nyonso nangam ongaza muto société civile ongaza muto ya cash ongaza muto ya lamuka ile tolobi mubeko wana ekoleka te likambo ya seni tolobi mubeko ya seni balingi bebe biso election ele kalisuso te bako elisabache biso onsar malonda Kimbangusta lobi ke baye biete, balingi bale ki sena lombango to lobi, avant to koma wana, d'abord réforme et salema, président de la République, aye baye moko na malam, ko consulter classe politique, consensus et salema, pona kozo président ya seni, et non ba imposer biso ni kamono. Il est grand temps to tele, mais la FCC, eza kabla ya bandoki. École kate mama to kote le mela yango to ko mobiliser peuple congolais na 2015 balenge ba imposer biso la mususu bongo ba yeshua majorité za majorité ya muyibi ya kingakati eza majorité ya peuple te donc to kote bele mobeko wana to pe na suka pamba te bande ko ya FCC balenge ba boto la biso mboka. Donc, la bango va quoi, misolo ya l'état, justice est comme la libenga se voya bango, to boyi le kambouana, et kolekate, même à taille le kindengo, au pire, ce qui est le ki, président de la République, a koki ko promulgué yango te. Mais encore, on est ya bon dokite, maman. O ko se la kor nan dokite, batu ya fese se ba ye babo mimboka. Ce qui bango basali accord peuple ebi accord wana te to su to pesi position il est grand temps libala wana kufa même to moni ba congolais ba te mi na direct pour ko te la balwana to moni ka ba IDPS congo ana fa to moni bino te la muka ba te ko na biso ebele e bande ko na biso ebele ba ko tambule pe to ko suka awa te e kokoba ti ba ko retirer mobeko wana to ko tose mibeko ya mboka. Parce que, quand on le voit, quand on le manifester, c'est un droit reconnu par la Constitution. Bandeko ya vérité désir na zo pesa bango eza toli na bango mais il est grand temps to tsana no pembeni to préparer précisis ya 2023 batu ya kinga kati balingi bayi biso parti ya lelo to sangana be moko
tout barré zela na bayini ya peuple tout préparer ma ponami ya bien biso to lobaka président de la république ayamba bato nyonso tout dégager consensus pour na ko pona d'abord un réforme ya malamu est-ce que to kenda na basei oy biso to lobite 16 ans ya moyibi ba caution et la kayebele ba tie ba loi taye sur mesure pour nous on sait wana ba kocha pembeni a muntu ya kingakati to ko ka président senior ya consensus Procès à politiser. Mais politique est le banin. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Donc, ce qui politique, et au Kangamiib, nous avons le politique en Maboko. Politique est malam ou ezali, bonjour à Kankita Yamboka, Boka Bolila Bayimboka. Exactement que bozu mbongo ya leta bo cheka na libenge donc ce qui est politique pour kangi moyibi ngana usenir politique wana politique ko kanga vite ka pa pour Albert Yumo iba descendre ti le bo yo moni pe ba maros te pour ko ko ta ba azam to fesses ba maros ya fonera azam pe na boloko Benjamin Wenga ya OVD azam pe na boloko patience iba ko ka akokanga manako ebisaniyo akokangama Albert Yuma de Samir Tokolanda matata mponyo bukangalonzo mbile kol kimbuta mutolobe kango ezali gouverneur Ngobila yepe fo fongola zandu pomo kamboko sela lima be yepe ah yepe fo fongola yango na ko ebiso yo etumba na biso etumba ya mboka et ne pas etumba ya batu Baye nyonso bakolanda biso à travers le monde baye bake bandeko ya FCC balevo option ko boto la biso mboka 60 personnes soki 100 personnes wana balenge bazwa mboka totika la bawungu na propre mboka na biso totele mela batoti na suka pamba te tokotika la bawungu il est grand temps sans tenir ba coloration na biso onga na za mtu ya bo chaki tendance na yo pembeni to bunde la mabele to benga na bangune peuple za batu ya FCC minaku basi ba revoka ye parce que ala ka magistrat ba benga na ye pona kanyaka donc to kotele me na bango tina suka déclaration politique du Congo en avant chers compatriotes l'heure est grave l'objectif pour lequel l'axe du mal dénommé FCC s'est tapé une majorité qui se révèle aussitôt que prévu sur les deux dossiers suivants. Oubliant que le peuple n'est plus seulement regardant, mais aussi exigeant. Il s'agit, 1. La proposition de loi Minaku Sakata. 2. L'élection du membre de la CENI. S'agissant de la proposition de loi Minaku Sakata, le parti Congo en avant constate que c'est un câble des sorciers dès lors qu'il impose la soumission du parquet au ministre de la Justice en violation de l'indépendance du pouvoir judiciaire tel que consacré par l'article 149 de la Constitution et verrouillé par l'article 220 de la même loi fondamentale. Plus grave encore, elle donne le pouvoir au ministre de la Justice de prendre des mesures conservatoires à l'endroit des magistrats en violation de l'article 150 de la Constitution qui ne reconnaît que cette compétence qui est celle au Conseil supérieur de la magistrature. S'agissant de l'élection des membres de la CENI, cette procédure et cavalière, elle laisse croire qu'il y a anguille sous roche. Car les périodes de Ngoï Moulunda de triste mémoire, Corneille Nangafi, secrétaire exécutif national, dont on avait élu comme président de la CENI, dans des conditions analogues, et celles d'aujourd'hui. Pourtant, M. Malonda, à la tête de la CENI, lui qui fut secrétaire exécutif national de l'équipe Nanga qui a échoué sur tous les plans. Pour le CA, exige avant toute désignation des animateurs des institutions ce qui suit. L'audition du rapport du processus électoral passé. La réforme de la loi électorale au sujet de ce qui n'était que l'apanage
des sels nanga et des cautions élevées le favorisant. Des groupes de gens, des procès verront des résultats inexistants au même niveau de la cour continue, etc. Après tout ceci, viendra la désignation des animateurs. Au regard de ce qui précède, l'article 129 de la Constitution dispose qu'aucune révision ne peut intervenir pendant l'état d'urgence ou l'état de guerre. De la même manière, l'article 220 consacre l'indépendance de la magistrature. Il est grand temps que le peuple congolais se réveille. C'est ainsi que nous appelons à la conscience de toutes les forces vives, société civile, la Mouka de nous serrer des coudes afin de barrer la route à cet axe du mal que l'OFCC qui veut nous imposer son dictat comme il a voulu en 2015, le 19 et le 20 janvier. Étant donné les mêmes causes produisant les mêmes effets, nos frères de FCC se sont trompés d'époque car ils avaient toute l'attitude de faire durant leur règne des 18 ans de triste mémoire. C'est ce que nous appelons au président de la République de ne pas promulguer telle loi si jamais elle est réussissée, adoptée parce qu'ils ont la majorité parlementaire. Au peuple congolais, restons éveillés, regardez, surtout exigeants, et non seulement pour la cause sous-évoquée, mais pour tout le reste de temps. Que vive la RDC, je vous remercie. Congo en avant, Congo na mutema. Voilà, très chers abonnés à Sangoya Congo, on a vraiment tout ce qu'on a. Point de presse, il y a moi dans Boka Médard en Colombo. Oh, bon, à l'obéi, deux points essentiels. À l'obéi, nous avons dit vraiment réforme à la loi Ozaki initié bon et pas à. Moi, je suis au même Minako et puis le professeur Sakata. Donc, il y a pas de télé, il proposition a Congo en avant et il proposition a la population. Il y a une population entre les députés. Donc, il y a une télé, il y a une proposition à Misato. Il y a un bon Ozaki unifié par moi, au même Minako. Quand on a but, on a informé nous l'actualité politique. Il y a un bon Kayango, le vraiment Tokita qui a un siège, qu'on a une déclaration politique. Il y a moi, un bon Médard en Colombo. Ozaki, bon, grâce à la Bolling en la présentation, il y a. Émission Mokola Leo, t'écoute l'année prochaine. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Baseya Nenanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Baseyan est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus, docteur Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia Bandoubola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis, historique et réalisation. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent 1 million de dollars dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.